Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle session. Alors c'est nouveau décor, nouvelle destination puisque nous sommes au lac de Madine en compagnie de Maxime Lefebvre, gérant de la société Amorsbrand. Donc voilà, donc ça y est, on est sur place. Hein. On n'a pas fait un grand bout de chemin depuis la mise à l'eau, ça c'est plutôt cool. On est arrivé sur le secteur qu'on avait repéré via les vues Google Earth. Première chose, on a largué le bateau avec un poids pour aller faire tout de suite la carto du secteur avec l'annexe, hein, pour absolument identifier les zones qui vont pouvoir être pêchables, hein, de celles qui ne vont pas l'être. On avait une interrogation sur la quantité d'herbe qu'on avait, les profondeurs, voilà, il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas. On a commencé par le poste qui nous plaisait le plus. Et en fait, il s'avère que c'est envahi d'herbe jusque vraiment à la limite de la réserve. Donc on n'a pas été au-delà parce que ça n'a plus aucun intérêt. Si on ne peut pas pêcher devant, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc on s'est redécalé un petit peu plus en direction de la pléno pour trouver un petit peu plus de profondeur. Et on n'a pas eu à se décaler beaucoup puisque en fait on a à peu près dans les 3,50 m, 3,80 m le long de la réserve, il y a encore une petite couche d'herbe. Et dès qu'on arrive en fait au-delà de 3,90 m, 4 m, on est vraiment sur des fonds qui sont très propres. On a bien cartographié la fin des herbiers, toute la fin des herbes, vraiment pour définir le maximum de surface de zones propres qu'on pouvait exploiter en lançant une zone d'amorçage. Donc on a une zone qui est finalement assez intéressante, qui fait entre 3 et 4 hectares, qui a une forme un petit peu d'entonnoir sur la sortie. On verra bien ce que ça peut donner, c'est assez intéressant. En plus, on a pas mal de choses à pêcher sur cette zone. C'est pas uniquement une zone toute plate comme on trouve d'habitude sur les super grands lacs. Là on a vraiment trouvé beaucoup de changements de substrat, des petits tas de cailloux, des petits bancs de sable, on a trouvé des bois morts, des choses comme ça à plusieurs endroits sur la zone, des changements de profondeur, des petits hauts fonds et tout, donc c'est vraiment assez intéressant, assez encourageant. Donc on va voir tout ça d'un peu plus près. If you haven't learned this yet, then prepare for troubled waters. Yeah. Ça y est, c'est l'heure de lancer l'amorçage. On va se servir de la carto qu'on a fait avec l'écho pour bien concentrer les appâts uniquement sur la partie fond propre. On ne veut pas mettre de bouillettes dans la partie où il y a encore des herbes, où c'est pas très propre et tout, pour pas qu'elles aillent se perdre tout simplement là-dedans. On a besoin de concentrer les poissons le plus possible dans la zone propre. Donc on va vraiment longer les bords de la carto, ça a une forme un petit peu spéciale, donc on a bien fait de la faire, sinon on aurait perdu une partie des appâts qu'on voulait mettre. Et donc on va essayer de recouvrir la zone de manière hyper homogène, avec à peu près 25 kg de billes déjà dans un premier temps. Et puis on va disséminer les roues
un petit peu partout sur la zone, aussi assez espacée. Les roues vont avoir l'avantage de fondre beaucoup plus lentement que les bouillettes. Elles vont mettre peut-être 3-4 jours à fondre, ça va nous apporter de la particule en permanence. Et les jours d'après, on réapportera uniquement de la bouillette pour avoir voilà, des stades de dégradation des bouillettes à vraiment à plusieurs niveaux, des très molles, des dissoutes et des encore bien dures. Quoi. Donc voilà, là il y en a pour un petit moment pour aller poser tout ça. C'est des beaux poissons ici. Hein. Elle était un poisson couvert de sangsues. Ah ouais, des petites sangsues, elle en avait partout. Donc je pense que c'est plutôt un poisson qui vient du large, qui vient pas trop des herbes. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être encore des poissons qui ne se sont pas rendus dans les baies. Et là où on est, on devrait pouvoir bloquer ces poissons-là. Donc, s'il pouvait y en avoir plusieurs, ce serait pas mal. Essayer de modifier un peu notre approche. On va quand même rester sur la même zone, mais on va essayer de l'aborder un petit peu différemment. Là, on voit, donc on a bien tous les herbiers, les contours qu'on avait fait avec la carto. On a cette trouée-là, qui est vraiment très belle, très propre, qui est pour l'instant hors de portée, dont on ne s'est pas encore occupé. On a celle-là qu'on a commencé à pêcher depuis ce matin. Mais on s'est aperçu en fait qu'on avait deux très beaux spots ici qu'on pêche depuis hier. Et on a un autre très beau spot qui est juste derrière. Le fameux au fond. Ouais, là, un très beau au fond qu'on a amorcé depuis le début, mais qu'on n'arrive pas à pêcher correctement. Parce qu'à chaque fois on passe sur l'autre spot. Quoi. Les cannes sont trop. Ouais, les cannes sont vraiment trop proches et il faut qu'on décide à chaque fois de pêcher l'un ou l'autre.
Et étant donné qu'il y a très très peu d'activité, je pense que c'est vraiment mieux de pêcher les deux en même temps. C'est clair. Du coup, on va se décaler, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. On va déplacer le bateau. On va se décaler. On va venir en fait se déplacer. On va venir se déplacer de manière à être beaucoup plus perpendiculaire à la ligne des spots qu'on a, puisqu'en fait tous nos spots sont sur une même ligne quasiment. C'est ça. Quitte à négliger le fameux spot qui est au fond. Dans la trouée, quoi. Ouais, voilà, ce spot-là, du coup, deviendra inaccessible si on se déplace ici, puisque on va encore, dès qu'on aura mis le bateau ici, on va encore se retrouver à passer sur le fameux plateau qu'on veut pêcher. Ce plateau-là, il est très intéressant à pêcher, notamment depuis cette berge-là, parce qu'on voit bien que la cassure la plus nette, elle est vraiment ici, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, on a vraiment une cassure sur quelques mètres qui descend de quasiment 80 cm. Donc là, c'est vraiment super intéressant, cette partie-là. Et là, voilà, à chaque fois qu'on vient pêcher ici, on passe par-dessus des gros débris qui sont là et ça pose problème. Donc voilà, je pense qu'on va venir se décaler ici. En plus, on a cette zone de bordure qui est très propre. On voit bien que les herbiers s'arrêtent vraiment avant. Et c'est une configuration qu'on pêche pas encore pour le moment. On s'était cantonné dans ce 4 mètres, 5 mètres, puisqu'on était dans la zone propre le plus près des herbes. Et il s'avère qu'en fait, on a deux voisins qui sont assez loin de nous, hein, mais qui pêchent en fait très près d'une roselière dans peu d'eau et qui arrivent à sortir quelques poissons de passage. Il doit faire un ou deux poissons par jour. Il fait un ou deux poissons par jour. Pour l'instant, c'est pas des très gros poissons, mais au moins, il a un peu d'activité. Donc, je me demande si les poissons qui sont dans les zones de frayère, qui sont de ce côté-là, puisque là, on voit bien la limite de la réserve, au-delà de laquelle on n'a pas été sondé. Donc voilà, les bouées de la réserve sont vraiment ici, tout le long. Et donc les zones de frayère sont vraiment assez loin. On pense que certains poissons ont fini de frayer et qu'elles commencent à ressortir un petit peu. Ouais. Mais il y a des chances pour qu'elles longent le bord vraiment très près. C'est ça. Je pense que les gros poissons iront de toute façon un peu plus profond. Donc ça ne changera pas notre approche pour cette partie-là. Pour la suite, quoi. Mais il y a peut-être des poissons un peu plus petits à intercepter qui vont être en bordure. Et pourquoi pas une belle surprise aussi. On ne sait jamais. Exactement. Quoi, hein. Mais là où d'où on est, en fait, on n'a pas accès à cette zone-là non plus. Donc, je pense que vraiment, l'intérêt, c'est dans un premier temps de venir se décaler vraiment par ici. Puis il y a le double intérêt, parce qu'il y a le temps aussi qui va changer. Ouais, en plus, voilà, d'ici là, on a deux jours de grand soleil sans vent. Donc, c'est pas terrible pour la pêche. Non, ça, c'est sûr. Mais par contre, voilà, dans deux jours, on va vraiment prendre deux perturbations, a priori. Une première qui va arriver sud-ouest, vraiment dans ce sens-là. Et une autre le lendemain qui va arriver vraiment plein ouest. Donc, vraiment comme ça. Donc, ce qui est important d'anticiper un peu avec le bateau pour éviter qu'on se retrouve dans une galère. Exactement. Là, le problème, c'est que notre bateau, il est orienté à l'arrière du bateau plein sud. Ouais. Ce qui fait que dès qu'on va prendre ouest ou sud-ouest, on va prendre du vent de travers avec des vagues. On va prendre des vagues en travers. Et là, on chope tout de suite le bateau qui fait des mouvements un peu désagréables et tout. Donc, a priori, c'est du vent à 20 avec des rafales à 40, 45. Ce serait jouable quand même, mais ce sera bien plus agréable si on met le nez dans le vent. Et en plus, on s'ouvre la pêche vraiment correctement avec cet angle-là. On ne bloque pas non plus tout le passage pour les pêcheurs de carnat qui veulent faire les bordures. Donc, et puis on conserve cette idée de continuer d'exploiter cette zone. Oui, de toute façon, cette zone, il faut l'exploiter parce qu'on ne sait pas à quel moment les poissons vont sortir des zones de frayère. Mais à partir du moment où ils vont y sortir, ils vont s'étaler un petit peu sur cette zone et elle démarrera à ce moment-là. C'est ça. Donc là, l'intérêt, voilà, je pense qu'on va attendre encore le milieu de journée. Là, pour l'instant, on pêche cette trouée-là. C'est la première fois qu'on la pêche depuis qu'on est arrivé, donc ça ne pêche que depuis quelques heures ce matin. On va vraiment attendre de voir s'il y a quelque chose d'intéressant ou pas. Si jamais on ne fait rien assez rapidement ici, alors qu'elle est amorcée quand même depuis deux jours, cette trouée-là, on sait qu'il n'y a pas spécialement d'intérêt pour l'instant à la pêcher. Donc le but, c'est vraiment de venir prioriser pêcher ces obstacles. Rajouter ce spot-là,
optimiser celui-là. Ça, c'est vraiment les trois priorités. Et pourquoi pas commencer à préparer celui-là pour les jours à venir, si jamais, d'ici la perturbation, on n'a pas de résultat cohérent ici, quoi. Sachant qu'on a touché déjà un beau poisson, justement, par ici, en plein milieu de la zone. Depuis qu'on a identifié cette bordure un peu accidentée avec des obstacles, on a ce problème d'y aller correctement, quoi. Donc, on va se donner quelques heures là, et je pense que dès l'après-midi, on ira se positionner là. Et comme ça, on aura vraiment une belle ouverture ici. Notre plateau, on sera vraiment parfait, très près. On pourra exploiter parfaitement. Et on pourra venir pêcher ce fameux tas de cailloux qui est ici. Voilà. Et puis la troisième canne, on verra. La quatrième canne, on verra bien. Ouais. S'il n'y a pas besoin, on ne la met pas. De toute façon, il n'y a pas de problème. Bon, et ben après 2 jours passés à cramer en plein soleil sans un poil de vent, avec une eau qui monte en température très vite, on n'a pas eu d'activité du tout depuis 2 jours. Et là, ce matin, à peine avoir tendu les cannes sur la zone d'amorçage, il y a eu un tout petit peu de vent qui s'est levé dans la nuit, qui a dû brasser un petit peu, et un quart d'heure après avoir posé, on refait un poisson sur la zone d'amorçage. Un poisson qui est un petit peu plus joli que l'autre. Une belle petite miroir, typique d'ici, qui a bien mangé sur l'amorçage, parce qu'elle a encore un joli ventre. Poisson qu'on pèse à 23,5, qui fait bien plaisir. Donc voilà.
montage. On est dans des montages qui sont extrêmement simples. Moi, j'aime bien utiliser une tresse standard, pas gainée, mais assez rigide. La marque DS, ils font du très bon tackle. La tresse est vraiment très bien. On a beaucoup pêché en tresse gainée et celle-là est suffisamment rigide pour se passer de la gaine, donc c'est vraiment très bien. Pareil au niveau des hameçons, vu qu'on est, on va tenter une pêche un petit peu de bordure, il y a un peu d'herbe et tout, on va prendre les K1, les hameçons K1 en taille 4 qui sont très bien pour ça. Après, il y a vraiment toutes les tailles, tous les types de montage sont possibles, mais voilà, nous on va vraiment au plus simple, au plus robuste et on se prend pas trop la tête, quoi. Le principal, c'est vraiment que le montage soit efficace, que la bouillette soit vraiment libre sans faire bouger l'hameçon, comme ça la pointe reste bien en bas et que voilà, la mécanique du piquage soit efficace, quoi. C'est rien de plus simple. Voici le dernier poisson de la journée, juste avant de relever les cannes. C'est de bon augure pour la suite parce qu'aujourd'hui on a fait quand même pas mal de petites touches, 3 ou 4 tanches et puis un silure. Donc j'espère que demain ça va continuer et puis on va en refaire 2-3 belles comme ça, quoi. Allez, c'est parti. Bon, et ben nous voilà en place donc pour la dernière ligne droite. On a redéplacé encore une fois le bateau. C'est jamais que la quatrième attaque. En fait, ça fait 2 soirs de suite qu'on touche 2 petits poissons sur une canne qui est assez loin. Et donc, on a décidé de se rapprocher un petit peu de cette canne et puis d'en mettre une de plus pour voir vraiment si on peut pas essayer de sauver un peu la mise sur le dernier coup du soir et le coup du matin. Donc là, voilà, on s'est rapproché, on est à 70-80 mètres à peu près de la zone où on pêche, donc on est vraiment top. On a retrouvé deux belles petites trouées qu'on avait déjà c'est vraiment super joli. Qu'on avait déjà préamorcé, mais qu'on n'avait pas pêché parce qu'elle était un peu trop loin. Donc là, en se rapprochant, elles sont devenues accessibles. C'est ça, ça nous donne la possibilité d'exploiter maintenant. Donc, on a remis un petit peu à manger sur toute la longueur de la zone qu'on pêche là. C'est pas très large et tout, mais il y a des fonds bien durs, il y a une belle roselière, il y a des belles trouées qui sont visitées assez souvent. Après, il y a beaucoup de grosses fritures, on a pris beaucoup de tanches. Elles sont actives. Hein. Ouais, les grosses tanches sont très actives. Mais elles sont grosses, hein, des machines de 3-4 kilos, ça fait déjà des belles tanches. Hein. Donc, on leur a remis un petit peu de graines quand même pour justement qu'elles nous laissent un peu tranquilles sur les bouillettes. Et puis on verra bien voilà ce soir ce que ça va donner. D'autant plus qu'en s'avançant comme ça, on a gardé encore une canne sur notre zone d'amorçage qui produit plus depuis 2-3 jours maintenant, mais qui nous a rapporté les plus gros poissons. Donc c'est hors de question de l'enlever. C'est pour ça on lâche pas. Voilà, on espère, on a toujours espoir de tomber sur encore, un gros poisson. Ouais, c'est encore possible. De toute façon, le coup du soir, le coup du matin, on a plutôt fait les gros poissons sur le coup du matin d'ailleurs. C'est ça, exactement. Donc c'est super important.
le poisson de la journée. Elle fait plaisir quand même parce que ça a été long. Hein. Bon, ça y est, c'est la fin. Ça y est, c'est la fin, c'est fini. Ouais. Après une semaine passée sur l'eau, on retourne sur la terre ferme. Ça fait un peu bizarre. Hein. Les premiers pas, c'est un peu bizarre. Ah ouais, on était bien sur le bateau. Ouais, on était pas mal, on était pas mal. Bon. Donc fin de cette session un peu compliquée quand même. Hein. C'est, on n'a pas du tout, on n'a pas du tout eu les résultats qu'on espérait, même si. Même si on n'est pas ridicule hein, quand même, hein, on fait quand même deux jolis poissons. Des conditions pas spécialement bonnes pour la pêche. Hein. Pas top pour la pêche, pour le tourisme on est bien. Mais... Pour le tourisme on est pas mal, hein, ça se voit, on a bien bronzé. On a bien bronzé, on a bien cramé. Pas de vent, absolument pas d'activité dans tout le secteur où on était. C'est impressionnant de voir au lever du jour et au coucher du soleil. Jamais de sourds. Pas de friture, rien en surface et tout. C'est des moments très longs à vivre. Mm-hmm. Très longs à vivre. On réussit quand même à toucher un petit peu de poisson en bordure pour s'occuper un peu. Heureusement, ça nous a sauvé un petit peu. Ouais. Ça nous a occupé, disons. Et la zone d'amorçage qu'on voulait faire pour trier les beaux poissons et essayer d'en faire pas mal, mine de rien, ça fonctionne quand même, même si on n'a pas eu la quantité de poissons. Ouais. Parce qu'on fait quand même deux beaux poissons sur cette zone, alors que dès qu'on se rapproche des bordures, on est tout de suite sur des petits poissons de moins de 10 kilos. Quoi. C'est ça, et puis c'est vraiment une tuerie, quoi, cette zone. Quoi. Ouais, la zone est incroyable. Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses à pêcher. On a passé la caméra, là, on a vu le fond, il est magnifique. Le fond, il est magnifique. Beaucoup de cailloux, beaucoup de dressènes, beaucoup d'écrevisses, beaucoup des branches mortes. Enfin, il y a vraiment de tout. C'est pas extrêmement dangereux à pêcher, en plus. C'est des petits obstacles, des petits trucs, mais c'est vraiment des très belles images à tourner comme ça, là. C'est vraiment un joli coin, très joli coin. C'est même incompréhensible d'ailleurs. Ouais, c'est difficile à comprendre pourquoi il n'y a pas eu de résultats sur ce secteur. On voit qu'on a de la nourriture qui est partie. Hein, quand on vérifie à la caméra, on a beaucoup de nourriture qui part. Rien, hein. On a des grosses activités de silure, on a beaucoup de tanches aussi qui sont en train de frayer d'ailleurs. Donc on a beaucoup de passages de poissons. Mais on a très peu de carpes. Pendant cette semaine-là, on a eu très peu de carpes sur le secteur. Ce ne sera pas le cas, je pense, la prochaine fois. Et on reviendra clairement. Ouais, on reviendra clairement ici. C'est vraiment un super lac. Quoi. Ouais, c'est vraiment un super lac qui est très joli. C'est le lac de plaine par excellence. Les berges sont magnifiques. Il y a des herbiers sur assez loin et tout. C'est vraiment très sympa à pêcher, très joli et plutôt bien géré en plus. Quoi. On a croisé beaucoup de monde. Il n'y a pas d'accrochage pour l'instant hein, parce qu'il y a eu beaucoup de bateaux cabines. Ouais, c'est le paradis des bateaux cabines ici. Ouais, beaucoup, on en voit de toutes les couleurs. Hein. Jamais vu autant de bateaux cabines sur un plan d'eau qu'ici, mais tout le monde pêche assez près finalement et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Quoi. Donc tant que les gens respecteront les pêches de nuit, les choses comme ça, je pense que ça ira dans ce sens-là. Donc très bien pour la suite. Quoi. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ouais, c'est probablement ici même. C'est ça, exactement. On la veut la grosse. C'est ça, elle viendra. Elle viendra. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt. Eh bien, Max n'a pas pu résister puisque la semaine d'après, ils sont retournés sur le lac avec deux bateaux cabines et trois autres membres du team, donc à savoir Julius, le J et Anton. Ils font une douzaine de touches sur 4 jours avec un poisson qui culmine à 20,5 kg et deux autres poissons entre 17 et 18 kg.